Bonjour à toutes et à tous. Alors le printemps tarde à venir, il fait encore un petit peu frais, mais c'est le temps idéal pour aller fumer un petit cigare. Et aujourd'hui, on va aller se promener dans une histoire un peu particulière avec un Robusto, le numéro 50 de chez Quai d'Orsay. Alors la maison Quai d'Orsay est assez... assez intéressante puisqu'elle a une histoire particulière bien à elle. La légende raconte que Valéry Giscard d'Estaing, en phase de devenir président dans les années 70, a demandé pourquoi il n'y avait pas de cigares français. Et en fait, la régie de tabac cubaine a décidé de réaliser en fait et de concevoir des cigares sous une marque qui s'appelle Quai d'Orsay et qui est en hommage à la CEITA qui était demeurée en fait Quai d'Orsay à Paris à ce moment-là. Donc il y avait une gamme assez intéressante avec des caps relativement clairs parce que les consommateurs gaulois aimait bien les caps clairs. C'est une marque qui a un petit peu décliné dans les années 94 et qui revient aujourd'hui avec une nouvelle gamme, une nouvelle identité. Donc on va goûter ça, on va faire un petit tirage accru, puis on va faire une petite découverte Quai d'Orsay. Voilà. Alors le tirage accru est assez neutre, c'est... je trouve ça terreux, un peu terreux, bon l'air passe bien mais on sent une toute petite résistance, donc c'est plutôt pas mal. Je tiens à préciser qu'on est quand même sur un tabac à 100% Habanos, donc que ce soit la cape, la sous-cape ou la tripe, on est sur du 100% cubain. Bon, on a un diamètre de 1,94 et une longueur de 11 cm, donc c'est un module assez intéressant. On sait qu'on ne va pas avoir une longue fume, mais bon, pour l'instant, pour le tirage accru, c'est assez neutre. On va faire un allumage et on va voir ce qui va se passer. Bon, on a eu un allumage plutôt sympathique, rapide. Alors, on peut voir que quand même la chambre de combustion est... bon, il part très vite, quoi. Voilà, vous voyez, j'ai tiré 2-3 fois. Je trouve que rapidement, en fait, il se consume. Bon, affaire à suivre. Alors, premier avis sur ce premier tiers. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'il part vite. Voilà, il est impatient, on dirait. Il s'est allumé assez facilement, j'ai trouvé. Alors on peut constater qu'il y a une belle cendre bien blanche, bien compacte, bien dense. C'est un cigare qui, première bouffée, n'a pas été agressif. Donc c'était quelque chose de très doux. J'ai lu sur internet qu'ils appelaient ça « the creamy Robusto ». On va peut-être pas le comparer à un café crème quand même, mais c'est doux. C'est harmonieux, c'est pas agressif. C'est vrai qu'en ce moment, je recherche un peu des cigares équilibrés. En plus, on est le matin, là, donc n'agressons pas nos capteurs gustatifs. Et je trouve que c'est intéressant. Voilà, alors, encore une fois, par contre, je trouve qu'il part vite. Hein. Je suis pas quelqu'un qui tire beaucoup, moi, sur le cigare pour pas me creuser la tête. Mais voilà, je trouve qu'il se consume rapidement. Voilà. Espérons qu'il aille pas trop vite non plus. Dans l'œil. Bon, c'est un bon cigare. C'est un bon cigare où il y a une belle tenue. Moi, j'aime bien quand la cendre se tient bien comme ça, qu'on voit tous ces stries là. Je trouve ça très agréable. Petite délicatesse, j'ai galéré à enlever la bague. Je trouve que de nos jours, on peut faire des systèmes assez simples pour pouvoir décoller la bague. Et puis pas se prendre la tête, surtout qu'on peut, si on est un peu bourru, déchirer la cape en enlevant cette bague. Et je trouve ça dommage.
Après, voilà, c'est un cigare qui est bien fait, hein, qui est très harmonieux, mais qui n'est pas du tout agressif. Ça manque un tout petit peu de caractère à mon goût. Et bien voilà, c'est tombé. C'est un cigare bien fait. Il y a un bon équilibre, une bonne harmonie. C'est vraiment pas du tout agressif. C'est-à-dire que quand on garde un petit peu en bouche, même si on pratique de la rétro-olfaction, ça agresse pas du tout. Donc c'est très doux, très simple. C'est un cigare que je conseillerais pour débuter même, parce que ça donne de bonnes saveurs. Il y a en plus sur le deuxième tiers un petit côté, une petite note subtile de poivre, mais pas un poivre agressif, un petit poivre assez subtil. Bon, et c'est agréable, on passe un bon moment, surtout que je l'accompagne avec un petit blanc sec, un muscadet, et je trouve que ça va très très bien avec. Je suis pratiquement persuadé que ça pourrait aller très très bien avec des huîtres aussi. Donc on va continuer, puis on fera un petit bilan sur la fin pour donner l'impression globale sur ce Quai d'Orsay Alf Robusto numéro 50. Alors j'ai dû lui faire un petit dégazage, parce que étonnamment, c'est comme s'il y avait des barrières, c'est rigolo, mais dès que j'ai attaqué le dernier tiers, il y a eu un petit goût amer qui n'était pas agréable. J'ai fait un petit dégazage et là il s'est passé un truc assez sympathique, c'est-à-dire qu'il s'est complètement ouvert, il s'est énervé un petit peu. Et alors c'est maintenant qu'il devient intéressant. Ça veut dire que là il prend un petit peu de force, un peu de coronesse, et c'est là que je commence à l'apprécier. Alors je vais le finir tranquillement, mais pour en faire un petit bilan, je trouve que c'est une belle pièce. On avait une belle cape bien nervurée avec une belle couleur bien luisante. L'allumage facile, je regrette une combustion un peu trop rapide, et étonnamment, c'est maintenant qui devient vraiment intéressant, mais c'est quand même une très belle pièce, c'est très très bien équilibré, et je le recommande vraiment pour un bon moment simple, fin de matinée, avec un petit verre de blanc comme je l'ai dit, avec la volonté de voir, on va dire, aller une demi-heure, trois quarts d'heure de temps à fumer. C'est vraiment subtil, c'est harmonieux, voilà, c'est pas agressif du tout, encore une fois, et c'est une très belle pièce, et je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix pour du 100% Habanos. Donc je vous recommande de déguster, de savourer ce Quai d'Orsay Robusto ou Afrobusto numéro 50, à retrouver au Lalande. Belle, belle découverte. Donc à très bientôt, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à partager, à commenter et à savourer. À très bientôt.